personnes à la place Helvétia de Berne, en Suisse, en vue d'être allé leur mécontentement. Là, vous avez les affiches, les bandeaux, et tout ce qui pourrait être support d'information par rapport au mécontentement général. Cette importante manifestation se tient à Berne, dans la capitale fédérale de la Suisse. Et là, il y a... Vous voyez là quelques Ivoiriens présents, en attendant que d'autres arrivent. Certains s'activent à critiquer ce qui a été comme un hold-up électoral en Côte d'Ivoire. Du coup, le président élu, dont la légitimité qui fait l'unanimité dans le monde, est bloqué. Mais le docteur Alassane Dramane Ouattara président maintenant ne semble pas vouloir brusquer les choses. Il n'y a pas de doute qu'il tient le bout. Le coup a demandé expressément mardi à Laurent Gbagbo de s'effacer sans délai au profit du candidat des Oufouettes. La CDAO a visiblement haussé le ton. Elle a surtout reconnu la légitimité et la légalité du docteur Alassane Dramane Ouattara. L'organisation sous-régionale a été rejointe par l'Union africaine à travers son président. L'isolement diplomatique de Laurent Gbagbo est ainsi au plan continental. Le chef de l'État sortant a tenté de jouer donc son fardeau à l'ONU. Mais là encore, il a échoué. Moscou et les Nations Unies ont reconnu M. Alassane Dramane Ouattara comme le seul vainqueur de l'élection présidentielle. Une fois la déclaration du Conseil de sécurité rendue publique, le sort de Laurent Gbagbo a été scellé. Il faut ajouter les pressions des institutions financières internationales. Ainsi, les institutions de Bretton Woods traduisent-elles la menace d'assainir l'aide financière. La Côte d'Ivoire est plus que jamais assainie. La Côte d'Ivoire est isolée. À la différentes prises de position, les différentes organisations doivent aider le président élu à s'installer pour commencer à travailler. Bien entendu, le docteur Alassane Ouattara pourra demander une aide qui lui sera accordée. Le président Alassane Dramane Ouattara, démocratiquement élu,
donateurs, à la personne de Laurent Gbagbo. Venez nous en aide. Il tue, il pille, il emprisonne les démocrates. Trop, c'est trop. Laurent Gbagbo cède le pouvoir au président qui a été démocratiquement élu. Non, au nom du RHDP, je vous demande à tous les Ivoiriens, Ivoiriennes, le monde entier, de se pardonner et se donner les mains pour accompagner le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, dans sa mission de paix et de respect de la démocratie pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une situation de non-respect de la paix sociale, de non-respect de la démocratie, de non-respect de son prochain et de non-respect du peuple ivoirien. La politique de l'égoïsme, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Nous sommes fatigués de la politique d'intérêt personnel et nous sommes fatigués de la politique divisée pour gouverner. Nous ne voulons plus d'une politique, quand ça ne nous arrange pas, on traite l'autre comme son ennemi et de rebelle. Nous voulons une politique qui permet aux Ivoiriens de vivre mieux, qui garantit le droit de l'homme pour chacun et chacune, qui permet aux Ivoiriens d'aller à l'école, qui respecte la volonté du peuple de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens du sud, du nord, de l'est, à l'ouest, et le centre vivre en paix. Une politique qui respecte la devise de la Côte d'Ivoire, qui est l'union, la discipline et le travail. Le peuple de
gouvernement souffre. Le peuple continue à faire de la démocratie. Le peuple continue à faire de la liberté. Le peuple continue à faire de tout et de tout. Nous vous prions, demandez de nous venir en aide. Parce que si vous nous lâchez, vous lâchez l'Afrique de l'Ouest. Vous lâchez l'Afrique tout entière. Et vous risquez d'être envahi de le déchet. C'est pourquoi nous vous prions de nous venir en aide pour que le génocide de Laurent Gbagbo puisse partir. Qu'il puisse partir avec le modèle de l'espérance promis à l'humanité en forgeant fini. Thank you.
Kake Firmat, die Kakel, die UNO, Kakel, die Schweiz, Kake Firmat für allen, Elfersiegus bitte, der alte Präsident, wegzuschmeißen. Merci, danke, danke, danke. Wir brauchen nicht Asyl, wir brauchen nur Hilfe, bitte, stellt ihr uns Hilfe. Unsere Probleme sind, das ist unglaublich. Le président, le président, commandant.
La place de la manifestation, je crois que
vous avez quelque chose à dire, des motivations pour amener à organiser une telle manifestation. Oui, merci mon cher. Nous sommes justement à Berne, à la place Helvetia, qui est une place donc du nom de la dame, de la puissance, du nom du pouvoir suisse, Helvetia. Et c'est pour donc réclamer la liberté, la démocratie, le respect donc des unes, le respect du peuple de Côte d'Ivoire, que nous sommes réunis ici ce soir, demander à M. Laurent Gbagbo que gentiment de partir, trop c'est trop. Il a commis assez de génocides, il a fait assez de morts en Côte d'Ivoire, et nous pensons qu'aujourd'hui, ça suffit, qu'il parte, il a perdu le peuple, lui a arraché donc sa confiance, qu'il parte librement, qu'il laisse le peuple s'exprimer et que la paix soit en Côte d'Ivoire. C'est bien dit. Alors si vous avez un appel quand même à l'endroit du président Alassane Ouattara, démocratiquement élu, qui en ce moment vit des moments difficiles. Alors, nous ne sommes pas inquiets parce que nous savons que le docteur Alassane Ouattara est un homme de paix. C'est pour cela, jusque-là, quand on a voulu confisquer le hold-up de Gbagbo, il n'a pas encore réagi. Il a admiré, donc il a apprécié le dialogue. Et c'est pour cela que des émissaires sont encore en train de faire le travail pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est un homme de paix, c'est un homme de droit, c'est un homme de liberté. Et c'est pour cela que nous faisons confiance. Nous savons qu'il va remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Les rails donc sur lesquels l'équipe de Gbagbo, le génocidaire, donc a enlevé la Côte d'Ivoire, a terni l'image de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'avec le docteur Alassane Ouattara, la paix reviendra et l'image de la Côte d'Ivoire sera soignée. Votre message à l'endroit du peuple ivoirien. Alors je dis au peuple ivoirien de rester calme, de rester serein, imperturbable, comme l'a demandé le docteur lui-même. Donc dans cette sérénité, toute la communauté internationale, déjà, vous-même vous le savez, a reconnu donc cette victoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est suivi dans son ensemble par la communauté internationale, par toutes les forces vives internationales. Je crois que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas à s'inquiéter et donc de rester serein. Que Dieu bénisse la paix. Et donc je voudrais aussi dire quelques mots à l'endroit donc, de nos frères militaires pour dire que leur vie a deux pans. Ils ont assez souffert. Ils ne peuvent pas donc suivre toujours ce génocidaire pour tuer leurs frères. Que eux-mêmes, leur salut vient du peuple. Et donc qu'ils suivent le président démocratiquement élu pour que la Côte d'Ivoire soit sur de bonnes voies et que eux-mêmes, leurs conditions soient améliorées. Merci. Merci, monsieur le délégué. Alors, une visite à ce restaurant à Colomb. Cette cérémonie de rassemblement qui a eu lieu tout à l'heure à Helvetia. Il n'y a pas de PV au sortir de là, mais au moins,
qu'on sache qui donne la parole à qui, et qui, on donne, qui donne le conflit. Donc, je souhaiterais que les deux délégués président la séance, que Koukoura soit le secrétaire de séance pour bon, je vais assurer le secrétaire de séance et puis laisser le. Oui. Dans le chat, il y a un regroupement, et suite à ça, Koukoura a souhaité qu'avant que chacun de nous prenne la route, qu'on se retrouve à prendre un verre et puis une petite causerie entre nous. Alors, je pense que partant de là, bon, on n'a pas besoin de formaliser certaines choses. C'est bien ce que tu as dit, mais si on peut profiter pour essayer de... En ce moment-là, on aurait convié tout le monde là, tous ceux qui étaient avec nous. C'est vous deux qu'on regarde. Non, alors nous deux, bon, moi je donne le point de vue, parce que la question que le frère a posée, moi je pense que ça peut être... fait partie d'une causerie qu'on peut, qu'on peut se lever entre nous. Bon, ça a commencé déjà même en des informations de gauche à droite. Et je pense qu'on peut, continuer sur cette lancée-là afin que, bon, s'il y a quelqu'un dont le temps ne joue pas trop, peut se lever tranquillement parti, au lieu d'attendre une levée de séance de tout ça. Bon, moi, je pense que on n'a pas aussi bien long que ça. Non, c'est pas ça. Bon. Ceux qui peuvent rester, ils resteront. Mmh. Voilà. Alors moi, une causerie. Vous êtes bien de la casse, pas passé de vous retrouver. Quand vous vous retrouvez en sentiment noyau du RAPP, je suis déjà là. Donc, on s'en va. Connaissance de l'époque de Zéguer là. Quand même, je suis là. Ceux qui ont la tribune, quand on a visé battre la campagne, il est là. Le président donc de la CI est là, qui est de l'autre côté. Je pense que c'est une opportunité qu'on prenne quand même un certain nombre de décisions. Il ne faudrait pas qu'après ici, on va s'appeler à prendre le temps. Et je contre vraiment le temps. Il faudrait bien qu'on saisisse cette opportunité. C'est vrai que pour avoir invité pour qu'on donne l'idée est très bien venue. Je pense qu'on peut saisir cette opportunité au bon pour essayer de trouver s'il y a lieu de faire d'autres manifestations, d'autres choses qu'on essaie maintenant de le décider. Je pense que ce serait mieux pour nous, pour qu'on puisse quand même aller. Non, c'est pas pour les gens qui viennent. Alors, on fera ça, mais ça fait comme la dernière fois, on a fait à l'hôtel. Mais c'est la contribution à apporter. Il faut qu'on le dise maintenant pour que chacun de nous se prenne une forme de vie. Préparez-vous à temps. Voilà, au moins c'est un